Écoute les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est le 7 décembre et il est 13h58, je vous prends hyper tard mais ce matin j'ai fait pas mal de choses que je ne pouvais pas faire avec vous, que j'avais pas tellement envie de faire. Du ménage, je pense pas que vous avez tellement envie que je vous filme en train de nettoyer mes toilettes, voilà par exemple. J'ai ma puce qui est à côté de moi qui a pas tardé d'aller au lit. Comme vous avez pu voir juste avant, je suis en train de finir d'éditer ma vidéo de sapin de Noël. Voilà, j'ai fait une petite commande sur Kiabi, donc je vais vous montrer ça. Donc en fait, je me suis commandé ma robe. Oui, ma robe. Pour Noël, la robe de ma fille, des collants, enfin bref, tout ce qu'il nous fallait pour Noël. Et j'ai refait une deuxième petite commande sur H&M. Donc là, le Kiabi, je l'ai pris en e-réservation parce que la robe, je suis pas sûre. Je suis pas sûre si comment elle est parce qu'en fait elle est très évasée et je me dis que je suis déjà donc si en plus ça fait sac à patate, voilà, donc j'ai préféré l'essayer. J'ai une offre pour vous en ce moment sur Kiabi pour deux paires de collants achetés bébé, enfant, non plutôt bébé, ça va jusqu'à la taille 24 je crois, 22-24, pour deux paires de collants achetés, la troisième offerte. Donc moi c'est ce que j'en ai profité pour ma puce. Donc là j'ai reçu l'e-réservation, confirmation, hein. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Parce que sachant qu'on fait Noël dans ma famille le 24 au soir et le 25 au midi chez mon père, il nous faut deux tenues chacune. Enfin, le papa aussi, mais le papa, honnêtement je sais pas ce qu'il va se prendre. Je pense qu'il va vouloir choisir lui tout seul, il va se prendre une chemise. Mais voilà, pour ma puce, j'ai choisi. Bien sûr, je vais pas retrouver. Oh mince. Référence, je marque les références. Je voulais vous montrer ma robe. Celle-là, attendez. Voir si ce que vous en pensez. Bon, d'ici vous me dites la réponse, je l'aurais déjà reçue chez moi. Donc bon. Hop. Donc j'ai pensé prendre ça, j'ai pris une ceinture, une paire de collants et des bottes motardes que j'ai. Ça va très bien, c'est gris chiné, donc c'est robe fine, maille, moulinée. Voilà, je vais vous montrer, c'est ça. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Donc voilà, hop. Donc elle se présente comme ceci. Derrière, là, elle a une petite goutte dans le dos, voilà, comme vous pouvez voir. Donc en fait elle est très évasée et moi à partir de là, là, je voudrais mettre une ceinture. Donc j'en ai pris une ceinture noire, hop attendez, voilà, regardez comme ça. Donc j'espère que ça va aller, avec une paire de collants et des bottes, voilà, moi j'ai décidé de prendre ça. Hop, donc elle est à 20€, donc je trouve ça super chouette. Pour ma puce, je lui ai pris une robe un peu... moumoutée, je vais vous montrer ça de suite. Je la vois tellement bien. C'est robe maille poilue. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, moi je l'ai prise en blanc, en noir, avec l'étoile dorée. Je vais vous montrer ça. Avec une paire de collants bordeaux et des petites ballerines noires. Elle va être top. Ça, donc, ça c'est pour la tenue du 24. Donc, hop, comme ceci. Donc, vous voyez, elle a une petite étoile en plein milieu. Hop, voilà. Et vous l'avez également en blanche. Ça peut vous intéresser. Voilà. Donc elle est toute moumoutée et je trouve ça hyper chouette. Donc voilà, j'ai acheté ça. Des collants pour elle, des collants pour moi, ma ceinture. Voilà. Et j'en ai pour 51€. Donc c'est pas excessif. Pour 51€, on a une tenue complète pour toutes les deux. Il y a juste sur H&M que j'ai dû lui commander sa paire de ballerines parce que je ne la trouvais pas, enfin je trouvais pas celle que je voulais. Tout simplement, donc H&M, désolé. H&M, je lui ai commandé un petit pull rose nœud et ses ballerines que je les ai trouvées à 12,99€ si ça peut vous intéresser. Pour les mamans qui ont des bébés avec des petits pieds, puisque ma fille met maintenant... du 16-17 parce qu'avant elle mettait du 14 et c'était hyper dur à trouver, donc là j'ai réussi à trouver, donc voilà tout simplement. Donc j'ai fait une petite commande sur H&M et sur Kiabi. H&M je la reçois à la maison, Kiabi je vais en magasin l'essayer, voilà. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais faire du ménage.
Désolée pour le bruit, ma fille est hyper bruyante. Dis-moi, elle fait sa voix, ce qui peut être très très pénible au quotidien, mais bon. Enfin voilà, en tout cas les filles, je vais faire ce que j'ai à faire et je vous laisse. Gros bisous, bye bye. Hey mes girls, on se retrouve, il est 5h. Donc oui, c'est à 4h de l'après-midi que je décide de mettre du rouge à lèvres. Enfin, c'est celui que j'ai reçu de la marque Easy Parapharmacie, c'est le 250 sans doute remarquable. Voilà. Donc c'est un mat de chez Revlon. Il est beau, hein. Bon, j'ai juste fait ça, j'ai même pas fait tard, hein, du tout. C'est un beau bordeaux, là, il paraît hyper flash à la caméra, alors que c'est un magnifique bordeaux un peu tirant sur le framboise. Bref, je reviens pas pour ça. Je reviens pour totalement autre chose, qui je ne sais même plus quoi. Voilà, ce vlog part en cacahuète. Je ne sais plus. Ah oui, il faut que je fasse mes favoris. Mes favoris, n'importe quoi. Faut que je fasse mes produits terminés parce que ma poubelle produits terminés est totalement en train de... Voilà, il y en a au large. Bref, oui, je vous revenais pour ça. J'ai reçu ça dans une glossy box il y a au moins 3-4 mois. J'ai reçu ça, les Egypten magiques, là. Et en fait, quand je lis derrière... Sa marque, mettez une petite quantité de produit dans le creux de votre main et faites fondre en massant jusqu'à l'obtention d'une huile. Appliquez délicatement sur votre peau. Mais en fait, c'est quoi? C'est une huile démaquillante? C'est une huile de nettoyage? Je sais pas du tout. Donc, si vous connaissez ce produit, dites-le moi, parce que j'en ai deux échantillons. Et voilà, que je teste, quoi, parce que je sais pas du tout ce que c'est. Je sais même pas comment que ça se rince, ça sera Saint-Lô, ça se laisse poser. Bref, c'est rien du tout écrit. Enfin, si, c'est tout écrit, mon anglais. Donc, voilà. Donc, je revenais surtout pour ça. Oui, ma poupée, elle est à côté. On a goûté. Donc voilà, là je faisais un petit peu de rangement. Et je vais aller poser ma guirlande lumineuse dans ma chambre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Enfin, si ma fille me laisse le temps de le faire. Hein. Ça, c'est une autre chose. Voilà, qu'est-ce que je pourrais d'autre de vous parler? Ah oui, dans mon colis Easy Parapharmacie, j'ai eu cet échantillon-là de... alors, je sais pas si ça se dit Velleda, c'est un W, je pense, un Velleda. Crème de nuit refermissante, donc comme ceci. Hop. Voilà, regardez pas mes ongles dégueulasses, qui d'ailleurs, je vais faire tout de suite après. Donc, c'est pour la nuit, crème de nuit refermissante, c'est pour la nuit. Donc voilà, dites-moi aussi si vous avez testé déjà cette crème-là et ce que vous en pensez en barre d'infos, non, en commentaire. Bon, bah écoutez les filles, je vous laisse comme vous pouvez l'entendre. Ma fille n'est pas du tout d'accord que je ne la regarde pas. Bref, en tout cas, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Eh les filles, on se retrouve, il est 18h45, j'étais en train de bosser sur ma prochaine vidéo, qui est mes idées cadeaux pour adultes pour Noël. Donc voilà, le chéri est rentré, il est avec sa fille dans le bain, et moi je vais faire réchauffer pour ce soir, en fait on mange ce que j'avais préparé déjà. Oui, vous voyez mes chaises debout parce que j'ai fait mon sol et je les ai toujours remises. J'ai fait une potée au chou, donc du coup ce soir on mange ça parce que la marmite est encore pleine. Donc là je la fais réchauffer tranquillement parce que plus c'est réchauffé meilleur c'est. Faut que je range la vaisselle aussi. Donc voilà, donc on va faire réchauffer ça tranquillement. Je vais faire la purée après de ma fille. Voilà, elle va manger et puis après ça va être l'heure d'aller au lit à 7h30. Hop. Donc voilà, donc là j'étais en train de bosser sur ma prochaine vidéo qui est donc les cadeaux de Noël pour adultes. Donc voilà. Hop.
Donc j'ai pas mal avancé dessus, j'ai pas mal taffé, j'ai passé ça fait une petite heure que je suis dessus. Ça fait aussi une heure que le chéri est rentré, c'est pour ça en fait que je suis dessus, que la puce est réveillée, donc c'est pour ça que je peux y être. Parce que voilà, il s'occupe d'elle, donc du coup je taffe dessus. Quoi vous dire d'autre? Bah sinon rien d'autre, hein. J'ai avancé là-dessus. Faut que j'attende demain matin. Là je vais bosser ce soir sur le montage de ma wishlist. Et après je commence à être super super bien un jour dans mes vidéos. Je vous fais un max de vidéos de Noël parce que vous m'avez énormément demandé ça. Donc du coup bah voilà, j'exécute les ordres. Non mais c'est plus précisément, vous avez vu là, j'ai mis une petite table où il y a des petits chaînes Noël. Bref, non mais vous savez, vous m'avez demandé pas mal de vidéos concernant Noël. Donc voilà, je me dis, c'était pas une vidéo qui était du tout prévue à la base, idée cadeau. Mais voilà, je me suis dit faire une vidéo et des cadeaux enfants, vous avez largement le magazine pour ça. Tout le monde a reçu les catalogues. Hein. Mais idée de cadeaux adultes, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Il y a mon sapin derrière, je suis fan. Fan, fan, fan. En fait, je l'ai allumé toute la journée aujourd'hui. Ah là, vous voyez bien mon rouge à lèvres. Mais encore, non, vous voyez rouge vif. Oh là, vous me pillez les sourcils. Vous voyez rouge vif. Et en fait, il est rouge bordeaux. Bref, je me suis toujours pas enlevé mon magnifique vernis dégueulasse que j'ai. Donc, bref, voilà. Donc, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Hop là. Je vais vous laisser là pour ce vlog parce que. Parce que je ne vais pas revloguer. Oula, vous ne voyez pas, je te mince les bras. Parce que je ne vais pas revloguer de la soirée. Là, je vais mettre une machine à tourner. Et après, voilà, je vais donner à manger à ma fille. On va jouer un peu avec elle. On va la coucher, on va manger, on va se laver. Et on va regarder la télé. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Ouais. Voilà. Mais écoutez, filles. Je vous fais de très très gros bisous, j'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Et en tout cas, en attendant, je vous fais de très très gros bisous. Re les filles, on se retrouve, il est minuit 20. Je suis devant la télé tranquillement. Le chéri est au lit. On a regardé Labyrinthe 2, vous ne voyez pas beaucoup. On a regardé Labyrinthe 2, donc voilà. Rien de bien, je suis en train de monter ma. Enfin, je suis en train d'éditer ma vidéo Wishes que j'ai tournée cet après-midi. Et là, après, je vais monter ce vlog. Donc là, c'est pour ça que je vais vous laisser. Là, je regarde toujours Revenge. Voilà. Je regarde toujours Revenge, donc voilà, il est minuit 20. Je fais encore pas mal de montage. Je pense que je suis pas couchée au moins 23h. Voilà. Bye bye les filles.